Maman m'a dit que je risquais de tomber. Donc je sors des FMD, charbonne comme un zombie. Je tourne en rond, ouais, je fais des ronds. Ouais. J'aime beaucoup. Moi aussi, j'aime bien. C'était bon, je crois. J'ai l'impression de manger de la friture en fait. On dirait que t'as une crevette frite. Oui. Que t'as laissé de côté de, pendant deux jours. Ouais, ouais. En fait, Thomas, il a un problème, je sais pas pourquoi, les mecs. Il aime trop manger les repas du lendemain. Enfin, une pizza, pour lui, elle est meilleure le lendemain. Un taco, oui. S'il est meilleur le lendemain. Dans les commentaires. C'est au bord le cas où je roule. Mais attends, vraiment? Mais non, ça avait pas un goût de porc, ça avait un goût de crevette. Dites-moi, là, c'était du porc. Katsu? Mais c'est quoi qu'on dit katsu? Katsu. Mais non, ça avait un goût de crevette, les gars. Non, on a créé du porc, là. Attends. Le katsu, ça peut être que être du porc, ça peut pas être un truc... Ah. Mais non, attends, katsu. Poulet katsu. Non, ça existe, poulet katsu. T'es sûr? Vous êtes sûr de cette info? Ça avait pas un goût de porc, parce que je me rappelle, ça avait vraiment un goût de crevette, hein. C'est ça qu'on va goûter. Si demain c'est la haie, ça va changer, c'est la même qu'avant. Et si t'as du cashman, viens sur le terrain, c'est les mêmes tarots. Et une tante, tu pourrais ou pas? Une tante, c'est mort, gros, c'est la sœur à mon père, je vais baiser la sœur à mon père. Non, mais tu sais, y'a des tantes, tu les appelles tata, mais c'est pas vraiment tes tatas. Les copines de ma mère, je les baise. Je les baise, gros. Copine de ma mère, je la baise. Ok, là c'est bon là, c'est bon. Attendez, je me bouge juste. Ok, regardez. Et du coup, vous êtes là? Ok. Vous étiez là, vous? Vous avez vu? Ça c'est mon lit, ça. Regardez comme il est grand. Regardez. Ça c'est juste là. Ça veut dire en plein stream des fois? Ah là, c'est bon. Ça veut dire en plein stream des fois, bah, je peux prendre ma cam, genre je me créerai un deuxième compte Discord, tu vois, je me filmerai et je sauterai dans la piscine. Alas boob, nique sa mère, ça va être un truc de fou. Et je dois faire quoi? Je dois renifler? Je dois renifler ou je dois recracher tout direct, vite, pendant que c'est encore dans mon nez? 2 à 3 secondes? Ouais, mais c'est... Attends, 2 secondes, wesh! Attends, je refais une dernière seconde. Je renifle et je recrache. Ok, attendez 2 secondes. On va retirer un peu. Ok, attendez. Vous avez agressé les vagos? Ah non, ma machette. Tu sais que c'est pas autorisé de se balader avec une machette? Ah oui? Ouais. Pourtant au pays, je le sais. Ah ben là, t'es plus au pays et tu vas rien arrêter de revendiquer des territoires. Ça marche pas comme ça ici. Ici, t'es aux États-Unis. Y'a pas de hola, ici c'est bonjour. Bonjour. Ok? Oui. Donc ton petit accent de merde, ça suffit. Tu vas aller à l'école et tu vas apprendre l'américain. C'est où l'école? Tu te débrouilles, c'est pas mon problème. Ok. Bonjour. Vous êtes t'as reconnu ou pas? Hein, bonjour. Allez, répète après moi. Hola. Non. Bonjour. 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 Ok. Attention. C'est bon? Ouais. Vas-y, bonne journée, commandant. Ouais. Et tu fais du rap? Ouais. Ah ouais? Et t'as pas ramené un beatmaker chez toi? Non. Et ta mère elle fait des rappels? Ah là 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 là. Demande-lui si sa mère elle est croyante. Ta mère elle est croyante? Ouais bah. Ouais, dis-lui. Elle est évangéliste? Ouais bah. Bah gros, c'est toi qui as dégainé ta beat? Comment ça? Bah gros, t'as sorti ta beat derrière mon ami. Tu fais 1m95 non? Mais comment ça? Menace-le. Dis-lui, tu vas payer pour ça, menace-le. T'es malade vous? Mais comment ça vous? Et à dire des trucs comme ça, aucun rapport, c'est totalement faux. Menace-le, Balti, menace-le. Ah il a la non-assurance. Eh attends, eh t'es chrétien? Bah ouais. T'es chrétien? Jure sur la Bible, c'est faux? Sur la vie de ma mère, c'est faux. Non, pas sur ta vie de ta mère. Sur la vie de la... Sur ma vie, c'est faux. Sur ma vie, c'est faux. Dis-lui sur la tête de Dieu. Et il m'a dit que t'as dégainé ta bite, gros. Comment ça? Non, c'est mytho. Sur la vie de ma mère, c'est mytho. Mais jure sur la Bible. Mais quel mytho, c'est insane. Sur la Bible? Mais c'est mytho. Mais pose-lui les questions sur tout ce qui s'est passé. Tu verras tout ce qui s'est passé. Ok, est-ce que tu peux me raconter ce qui s'est passé? On a fait de la musique, ok? Ok. Attends, excuse-moi de t'interrompre. Genre, aucun rapport, t'es gay? Non, pas du tout. Ok, donc oh là, ton histoire, ton histoire. C'est grave. Toi, je suis l'ami, je suis son ami. Ok. Alors, il est venu chez moi, on avait prévu de faire du son, il était sur les enceintes, ok? Et en gros, il mettait, comment ça s'appelle? C'est il grave. Il était en train de faire de la prod et tout sur ma voix, c'est tout ce qui s'est passé. On demande lui s'il a émis du parfum. Si tu veux, je te fais même écouter le rendu. Ah, vous avez fini le son, vas-y. Ah non, mais ça c'est sûr, hein, j'ai vraiment pas fait. Demande-lui s'il a émis du parfum, Balti. C'est irrespectueux, mec, t'en as pas la tête. C'est totalement faux. Mais mec, ça va pas la tête. T'es complètement zinzin. Qu'est-ce qui te passe par la tête? Et à quel moment j'ai montré ma bite devant lui? Quelle preuve tu as? Bah ouais, mais gros, y'a pas de preuve possible en fait. Mais gros, je peux pas avoir de preuve d'avoir sorti ta bite. Moi, je me fie à mon ami. Mais pourquoi ton. Pourquoi? Je crois pas que tu as débarqué chez moi.
Ah ouais. Vas-y, raccroche, raccroche, Balti, raccroche. Ok. J'ai peur de toi, moi. Raccroche, 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 raccroche. Ah, il a gueulé, wesh. Oh, la masterclass de la soirée, putain, les gars, j'adore. Oh, y'a ça d'un rond dans le cul, putain. Oh, putain. Oh, c'était magistral, hein. Ah bah, pour le coup, c'est la non-assumance, hein, totale, parce que j'ai tous les screens de moi, si vous voulez, des appels manqués. Après, c'est vrai, j'ai pas de preuve qu'il a sorti sa bite, pour le coup, mais je sais pas ce que vous en pensez, le chat. Je sais pas ce que t'en penses, Balti, mais moi, je pense, Kido, t'es un petit menteur. Ouais, moi, je pense que t'es un menteur. J'ai pas assez de boost, sinon j'aurais mis une double tap tout baiser. Oh, d'accord. Oui. D'accord. Non. Je suis devant. Oh oui. Wesh. T'as ce pinch. Oh, oh, oh mon dieu. Mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, gros. C'est trop fort. What the fuck. La chance ne va-t-elle pas finir par tourner? Par contre, les deux paupiers, vraiment, ils sont bien parce que, ouais, c'est deux meufs qui les poursuivent. Moi, la meuf, elle me poursuit, elle me chope. La tête, eh, émission, pas émission, je lui mets la plus grande balayette de sa vie, frère. Et je trace, c'est tout, frère. C'est ça, c'est le jeu, c'est une cavale. 13ème jour, 10h. Je la frappe comme un homme, t'es un ouf. Plus vite. Moi, je veux gagner. Ouais, putain, impeccable. On sera bien reposé ici. Ça nous a fait du bien. Cette nuit, c'est vrai qu'on s'est bien reposé. J'imaginais que tu vois. Je crois que c'est du bacon séché, quand même. Ok. Quoi, t'es écœuré par les crachats? Regarde pas. Il est con. Mec, on a découvert une phobie de Thomas. Oh. Ça peut voir quoi? Ah, je vais vomir. On mange des trucs japonais super strange. Anyway, bonne vidéo. Ce mec n'a pas mangé de produits japonais depuis 10 ans. Est-ce que t'as déjà pris la purée en pleine face? On mange des trucs japonais. Oh, y'a cher, une fameuse! Comment ça, TJ? Oh, le fou! Non, mais le fou! Oh, mais il est fou! Tu as coupé maintenant la leçon de moi, d'accord? C'est ouf! Il est zinzin! Pourquoi vous l'avez frappé? Je sais pourquoi cette meuf elle me. On dirait Walito, la vie de ma mère! J'allais le dire, wesh! La tête, on dirait Walito féminin! Au niveau de l'humour, au niveau du physique, au niveau de tout, frère! Au niveau de même la gueule! Elle ressemble trop à Walito! Regardez-moi ça! Attends, Inès, Reg. Et à côté, je vais mettre Walito. Est-ce qu'on a des photos de Walito sur internet? Non, on n'a pas des photos de Walito. Non, mais Zubi, les gars. Mais Zubi. Mais envoyez-moi une photo de Walito, bordel de merde. Mais Walito. Non, mais je vous jure, il ressemble trop. Oh là 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 là. Le même race. Pisté. LS ou Caillou? Alors moi, je sais que cette question vous brûle les lèvres et que vous avez absolument envie de savoir. Eh bien, vous saurez en temps et en heure. Ah, vous saurez en temps et en heure. Et je vous dis pas avec qui ni quand. Enfin, si quand. Non, c'est vraiment bientôt. Par contre, quand c'est vraiment bientôt. C'est juste, il y a encore des petits trucs à faire. Pitié, je commence en septembre. Mais bien sûr, non, mais ça se compte en une semaine, hein. Même pas. Hein. Ça, pour moi, ça se compte en moins d'une semaine, là. Hein, le retour en illégal. Hein. Pensez pas, c'est dans 3 mois hein, que je vais le faire. Oui. Non, vraiment. Hein. Bah oui. Non, mais moi, j'ai envie de retourner en illégal, mais je vais pas lâcher sous l'axe comme ça. Non, vous inquiétez pas, oui, c'est vous. Il y en avait, ils pensaient que j'allais le faire au mois d'octobre ou quoi. Non, tranquille. Je suis sérieux, j'ai pas lâché. Je faisais comme du taf à la chaîne. C'est vrai. Le temps qui passe me chuchote qu'il faut être en place. Sinon, le vautier il éclate. Tous disaient non, pas lassé. J'ai fini par la vendre comme les anciens. Avant de me coucher, je compte mes ennemis. Ça pour le coup, je risque pas d'être en chien. J'y croyais pas, là tu vois, maintenant tiens. À 11h, j'allais bosser en train. 50 pour la Saint-Valentin.